Li jwenn an pil moun met avèl, li jwenn sponsor Christian Family Daycare Center ki sponsor event lan. El gen plizye artiste ki mete avèk li pou organize event lan chak anè. E ou menm kote ou ye a, si ou ta reme ale, mwen ou moun ki te rele radio la, I'm sorry. Ingenieur pat la, m pat ka repon. Mwen ban nou numéro telefòn mwen, mesdames et messieurs, n'importe moun ki ta reme ale nan banke sa kap fèt 6 octobre kap honore Assad Francœur, Julien Janvier, Sylvanie Pierre Louis depuis Canada, Max Benoît. Si ou ta reme ale nan banke sa, si yon banke m panse ke, ki ta suppose sold out way before, li limite, mesdames et messieurs, 6 octobre si Dieu veut, 2024, up North Jersey, seulement une heure de temps d'ici, 11e soirée, kap honoré artiste évangélique yo. Ma ba ou téléphone mwen, c'est 732-948-1660. 732-948-1660. Si ou ta reme ale nan event sa, yon event or pair, feel free to call me. I will... Hey, nou ka ale ansanm, you never know. Why not? Mpa se son event nou yon pata lwe rate. An ou tan de musique sa anko ke pendant ke map di au revoir par l'artiste... Stanley George qui mettait album ça dur qui titrait La combat pour C'était Cassandra en plaisir live bonsoir Aïe 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 va venir pour juger ou même pérez envahi Quand y'a vint pis mauvais vrai m'comprends nous paniquer Sou pèmèt l'esprit se fè ou kontemple victoire Christ la Wap konpran nou son guerrier victorie gat tremble N'ai pas peur mon ami Ne promène pas des regards inquiets Il donne des hommes à ta place L'Égypte et sa balançon pour ta vie Il est Jéhovah ici Celui qui domine sur toute la terre Il donne des hommes oui des peuples avançant pour ta vie Prête en silence la combat pour vous mettre sous genoux la combat pour cette fierté opposée la combat pour j'ai tellement la combat pour Yahweh c'est mon adversaire qui attaque et visite Yahweh C'est d'un coup de tête qui a fourré dans Grenje, bon Dieu. Pas bataille tout problème, bataille la pas pour mouiller. Seulement garde méchant, yo, comme je ne sais, yo, mérité. N'aie pas peur, mon ami. Ne promène pas des regards inquiets. Ils donnent des hommes à ta place, l'Égypte et Zaba en rançon pour ta vie. Il est Jéhovah ici. Celui qui domine sur toute la terre Il donne des hommes, oui des peuples La rançon pour ta vie Prête en silence La combat L'armée du ciel est ta fête Sous genoux La combat On combat On fait rouler par des chars La combat Que j'avoue on est vu chaud Tellement j'ai la combat Vu nos présences Cherchez face-li, adorez-li, vine en présence-li. Cherchez face-li, adorez-li.
Wa Congo ak piti mi Al gad konbit kape van jounen Pou la fami yo Oyo Moun pil sou pil Bouche nou bon an tom tom kalalou Depin manje nou sou l'amou Sa se moun peyi mwen Yon ti bote moun te kreye Se la pleye Se la kay mwen ke mwen toujou koutan Nan peyi nan tout kache Nan tout kache Dabale ak wakanagari Ak makandal Ak kawona bo Ana kawona ya Kano kano namakaya Tabe l'angelis Pou mfe jwet kash kash ni ben Lot feeling kem pire men an vim Se al plonge nan basemble Pou mwen nan beyim Yo ti boute mon te kreye Se la mpleye Se la kay mwen ke mwen fi kontan Nan pe nan pou kache Kache Nan pou kache Mwen es toutan Mwen di se la La Dominique, la Martinique, Guada, Antigua, Djibouti, Addis Abeba, Haïti, Kiskeya, et puis Saint Cassica.
pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer, à faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes saints et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Jusqu'à la folie, je vais t'aimer d'amour. À faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel. À se croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer.
primer amor, un desengaño más para mi vida. Porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, ya que no pudo ser, resignación tendré, así es la vida. Tú sabes bien que hoy mi pobre corazón nunca te olvida. Pero no lloraré por ese amor que fue una aventura, porque yo sé que tú jamás comprenderás mis amarguras. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais. Merci pour bon mais aussi temps pour protéger son femme de dernier ordonnance qui soutient. I'm so excited my fibroid herbal tea came in the mail. It's by ancienthealingteas.com. Dernier ordonnance qui soutient. Côté juge la mettre dans l'index, juge la citer des témoins des choses que j'ai, vous dites suffisamment d'éléments pour pouvoir me juger sur la situation de jury. Merci, mais ça, n'est pas correct. Merci, mais au bout de ça, au deuxième assassinat, président pays. Et moi, depuis quelques temps, j'aime parler. Le sous-assassinat publiquement de quitter pour auprès, de quitter cette la police, parce qu'il y a une obligation de réserve en tant que diplomate. Mais leur ordonnance a sauté, pendant que nos forces, lui, il n'est pas bon pour l'image pays, hein, de craser 35 ans de service comme Bayala m'a dit, je démissionne pour me libérer de contraintes que je en tant que diplomate, en tant que représentant permanent d'Haïti et à l'OEA, et mais je reste diplomate. En attendant que je suis là pour vous dire après. Gary, vous êtes avancé? Ok, d'accord. Maintenant. Gary, président assassiné. Président assassiné et sous commandement par les moyens dans toute enquête qui a fait pour ne pas demander d'explication. Et c'est ça me fait pendant deux dernières années. Vous paraissez 5 fois devant 2 juges. Mais 5 fois. Vous faites 2 confrontations. Maintenant, on est dans l'ordonnance. Juge-là, traité de pourrialiste, comme pas fait rien, nous sommes pas réussis, pas fait rien dans le cabinet. Vous mettez précision. Vous êtes directeur général de la police a organisé un direction centrale, direction départementale, et puis et la police administrative. Vous écoutez. Mais, commandement, le directeur général ne commande pas directement. Les unités de sécurité du palais national. Il y a une loi qui porte des formations créées sur la police. Mais un décret qui renforce le décret du 1er février 2016 qui fait sortir par l'administration président Martelly et Premier ministre Yvan Paul conseille au défini fonctionnement unité qui affecte à la sécurité président. Bon, merci, c'est vous dit. Unité ça, il y a 3 niveaux. Chaque unité, par exemple, USGPL, responsable 3e. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Nous en direct de Radio Bonne Nouvelle depuis Asbury Park, New Jersey. Côté nous, venons présenter l'émission Paola, c'est Connexion 88. Et nous faisons ça tous les vendredis entre les heures de 8h et 10h. Nous disons aux amis auditeurs qui déjà branché Radio Sa, bienvenue. Et fait l'autre monde connaît nous live sur Facebook, nous live sur TikTok et nous appeler dans toute website qui publie radio ou mettre taper Good News Radio ou sinon tout simplement mettez
WGG88.1 FM, eh bien nous va monter comme radio, seule radio qui sous bande FM locale et nous à travers le monde sous Facebook un peu partout. Eh bien faire radio pour la marché, faire le rencontrer. Mais ça qu'a fait là une semaine ça, c'est ordonnance juge la t'a fait sorti côté li indexé tout le monde qui a demandé justice pour Jovenel et laver tout le monde qui était menacé vie président Jovenel pendant il était sous pouvoir. N'a pas rappelé encore tout le monde qui a demandé justice pour Jovenel, yo joignou juge qui pour indexer moun sa yo et tout le monde qui était menacé vie président dès que président t'est coupé contrat yo moun sa yo joine lavage yo nan men juge yo. C'est comme ça li en Haïti, c'est mourir pour pas mourir, de pour mourir ou en tout. Eh bien Port-au-Prince journée jodi a yo joine un juge qui pour indexer tout le monde qui était près Jovenel et Don Kato qui était dit président Papla, c'est dernier novembre là près dans pays a. Eh bien juge la joine Don Kato pas rien pour avec la mort président Jovenel. Même t'es écrit sur Facebook si John Joel Joseph t'es connais li pas t'essayer marron mais comme c'est lui même qui nèg saute dans équipe là il toujours mettre le devant pour lui même qu'a subi gros potentat pour le bénéficier la mort Jovenel yo non yo pas pour aucun côté au contraire gain juge cap laver yo c'est qu'on s'allier et me toujours font monde comprendre différence entre gain deux nèg qui sous et réseau yo qui très populaire. Nous avons parlé de et John Colin Morven, et qui est très populaire, et Teriel Telus, journaliste professionnel très populaire. Tendez langage, et Morven, tendez langage, et Teriel Telus, pour nous, deux mouns qui parlent. Morven, il a parlé, il flambait toutes têtes les nettes. Il a mis un monde, il n'a pas mis aucun point devant Salabdi, c'est que tout Salabdi, il justifie pour tête. Et les Teriel a parlé, il dit tel bagay, tel et tel teka, ta fait tel bagay. Et dans le langage américain, yo toujours dit allegedly. Comme si c'est ça m'tende. C'est pas moi même qui dit, c'est ça m'tende. Entre Jovenel, entre Teriel avec Morven la tout col. Ça veut dire que les gens yon pris pour payer en retour. Teriel a joué une façon pour le défendre tête li. Morven pas joué une façon parce que li fourre tête li net. Alors yon nèg qui entraîne qui apprend métier journaliste avec un nèg c'est comme li vinn fait c'est Abolo Cholier ou après Jean yo présenté yo sous toile. Eh bien c'est ça qui passe Jean Joël Joseph avec toute l'autre yo prend comme nèg saute équipe là. Yo fait au voir al mettre main sous bib, y a cementé que pour faire travail boss yo. Et la loue machine et mené colombien al tuer président mais monsieur yo pour jouer par yo si John Joel Joseph territé Port-au-Prince me pa gavo journée jodi a yo t'a joine ni pas nan rien mais depuis le nommé juste américain li plaide coupable et l'a fait toute Reseville dans prison. It was amazing. And Jean Jovenel, tout commandement réuni dans la conférence direction générale. De matin jusqu'à ce que l'opération finisse, c'est par exemple qui a dirigé l'opération avec direction de Badmantal l'Ouest. Et n'attend tout le monde rentrer dans la base pour nous diminuer, pour nous dire ça s'est passé bien, comment vous corrigez. Entre-temps, nous recevons un appel de président. Pour me dire, aux enfants, qui l'a dit Paré téléphone dans 20, c'est aux environs de 1h15, 1h30, parce que paré téléphone dans 20, téléphone ça sont la police, le téléphone de la police nous mettre, le vide déplacé. Mais, dit elle rien. Président Hélène, président Dim, Léon, et voilà quand la moitié des tirs, des rafales dans la zone. Dit au président, qui est sur elle? Président Dim, et comme c'est la civile basonie, nous elle est. Dimitri Bazoni, le président Barry Dampin, le président Marbini. Imaginons, entre 1 et 2 heures du matin, 1 heure du matin, tout le monde n'est pas dormi, vivant, nous réveillons, et puis nous venons de se faire
DCPJ, inspecteur général en chef, tout commandement avec moi, avec ma copio, m'a fait mouvement pour mobiliser le commandement. Entre autres, je suis le directeur départemental et l'Ouest, je suis le commandant soit. Et pendant que je préparais, je suis le caparaison, apparaître dans la cour, la police, m'a avancé, je dis pas raison, je suis entre autres, je me préciser. Mais deuxième, après, je suis appelé la bonne. Ça veut dire, pas raison, absorti dans l'opération Vider l'homme. C'est ça. Et puis avant ça, moi le président comme pas je dis, oh, ça grave. En tout cas, par exemple, Bini, moi je ne pas raison, ma côté par raison, je dis là, par raison. Moi, je vois avec le président, songeons, vous nous fatiguez, songeons, allez. Moi je dis, je ne sais pas comment je suis visionné, je dis par raison, allez, n'absuivez-vous. Je dis par raison, c'est le cœur, allez. En tout cas, ma fait malheur pour me dépasser. Par raison, allez, et puis après, je vais vous par raison. Non, vous, par raison, allez. Par exemple, je dis, mais déjà, moi, arrivé dans la zone épérée, moi, j'ai des gens qui braquent sur moi. Moi, je parle avec le commandant USGPN, commissaire Dimitri Lor. Je dis, pas avancé, c'est dit. Je dis, oh, ça passe. Je lui ai dit, sans réfléchir, je dis, par exemple, qui a fait dire Wabdouza? Président menacé, c'est qu'un jour, pour créer ce blocage-là, on ne peut pas s'en arriver. Well, do you have a traffic ticket and don't want it on your record? A Seattle company says it has a... Ah, comment on fait? Dimitri a dit c'est dilié. Et puis, il me dit pas, si c'est dilié, tu as connu. En tout cas, ma pensée. Il est... Puis devant, l'impression qu'il est devant le commissaire à Bichonville, par exemple, il est encore. Par exemple, dit, et comment donc, nous voulons que je me contourne. Moi, je suis entré dans un PLS 7, pendant ma montre, je suis au site de la descente. Commandant Barré. Et puis, je me suis pour Barré. 107.7 FM stéréo. Scoop! Oui, je me suis pour Barré. Oui, je me suis pour Barré. Et puis, quelques minutes après, par exemple, les musées et DC, nous sommes président. Nous sommes président sans ville. Un petit moment, Léo. Un petit moment. Oui. Ça veut dire, l'envoi est par raison monté, hein? Parce qu'on a mis des 4 actes, ça veut dire, l'histoire, ça, c'est l'histoire, me connaît bien. Mais comme nous, peut-être pas connaître, ça va tourner sous lui. Le par raison a monté le croisade, Dimitri Ra, qui est responsable USGPN, qui l'a pour assurer la sécurité président, lui dit par raison, monté sous lui, elle dit par raison, c'est DIE qui a opéré un roi, pas monté. C'est ça. Moi, je dis par raison, qui a fait dire Robbie Blanc, président menacé, dégageons pour l'obliger à la président. Ça me commence à dire. Ok. Mais vous marquez pas chambre la Dimitri pas chambre les brûlés, il va répondre. Scoop. Où est-ce que Dimitri combien de fois? Oui, le Dimitri une fois. Mais parce que, mais le Dimitri une fois, mais après, mais les DDO, contactez Dimitri, DDO 1. Contactez Dimitri, parce que j'ai un problème, parce que DDO, c'est les questions à Pétionville. On a besoin de ma montée à soi. Et les civils, finalement civils, ils répondent moi pendant un jour. Ils me disent, commandant, nous n'avons pas fait, y a un petit président, nous besoin de la porte. Les réponses civiles là, bon moi, on soulage, on dit à l'église, c'est ma qui est arrivé. Mais c'est le par les obligés, il me dit, par les personnes, le par les obligés, il me dit, bien de cas là, c'est par les gens qui vivent avant. Par les gens, inspecteur général, par les gens, il fait partie de mon cabinet. Mais question opération, dans toute opération, par exemple, toujours là. C'est ça que tu as dit dans l'opération Vider l'homme. Donc, même si tu as mon doute, par exemple, c'est un inspecteur général qui travaille sous et ma supervision, quel que soit côté, c'est moi qui dis. Donc, c'est ça que ça est au même que nous voyons nos déclarations, comme décision, comme base, où j'ai dit que moi, invité, ces déclarations, par exemple, pas pour elle. Non, un peu le monde pensait, sous base ça, juste à quatre trompés, parce que par raison confirmé que c'est où que vous et monté en roi. Donc, il n'a pas fait déclaration contradictoire par rapport à ça, il t'a dit déjà, et que maintenant, il y a un acte comme de fait, il t'a rapporté que c'est vous-même qui t'a dit par raison, et par raison, t'es monté en roi à cause de c'est vous-même qui t'a reçu un message, même si président, tout est réel par raison, parce que président, par raison, t'es venu voir, appel, mais quel président? Oui. Mais, bonjour, mais où est le niveau de légèreté qui est
son ordonnance. Parce que on enquête, qui s'en lié? On enquête basée sur les faits. Il faut des preuves. Zanm odite, nou te pran le soin pou nou te fòtande kek deklarasyon, par exemple la se deklarasyon moun ki te responsab polis la pandan asasina Jovenel Moïse la. E pi devan nou pral fòtande e de deklarasyon. Youn, tout media yo repete, tout moun dil, an nou tande Johnny Ferdinand Kapeli Ordonnance. Pe pale ki sa ki nan andan ordonnance la. Ancienne première dame nan, gagne du sel selon document, te fait tout moun konnen. Le nèg examen yo rentre nan ka la bovin touye président, et bien pou le te protéger tête li guerrier, li te courir rentre en bas cabane que li même mari kon coucher. Kon coucher à 10 ans. Et bien, guerrier, n'a parlé là du lit conjugal, du couple présidentiel, avait dit côté le couche à Maril chaque soir. Oui, ça nous supposait si les gars m'ont entre mon yeux. Donc, bah, là, on va forcément connaître comment ça a été avant. Et le juge là a dit, pourtant, l'éal visité espace là, il y a le gars de, en dedans, chambre président, qu'à bonne madame Nanzil t'est rentré en bas là, dans le moment où t'es rentré à gros enfant de fois pour venir président, eh bien, il a constaté, guerrier, eh bien, j'ai cabane en fait là, j'ai cabane en installé là. Mais mon gros rat guerrier, qui mesure entre 35 à 45 cm, pas foutu qu'à passer en balle pour le cacher. Bon, ça, c'est ça. Tendez bien, mes auditeurs. Ma préfère. J'ai pas dit guerrier. Entendez. En étant dans son... Il rentrer en bas cabane que lui-même a marre qu'on couche. Qu'on couche à 10 ans. Eh bien, guerrier, on a parlé là du lit conjugal, du couple présidentiel. Il avait dit qu'il couche à Maril chaque soir. Oui, ça nous supposait, si les gars. Zanmi auditeur, nous, moi souhaite que, nous pas une autre émission qu'on s'en encore, nous souhaite nous, ces grands timoun, nous qu'à comprendre nous certains bagailles. M'a joué ça pour nous spécialement. M'entendez Valérie Nimadil, m'entendez Megadil, m'entendez toute radio a répété ça, qui nan et ordonnance là. Qui v'le dit, madame Martine Moïse, te dit t'entre en bas cabane nan, mais les juges là regardé li wel cabane nan et côté madame nan dit rentre ya li impossible parce que li même on rate pas rentrer là. C'est ça y a maintenant tête ou c'est ça tout monde qui mon attendé toute émission qui populaire c'est ça ou maintenant tête ou parce que c'est bourgeois qui met yo. M'a dit nous ça chaque jour là nous ka penser c'est foumfou. Tendez bien que le Valérie Numa, toute radio a répété, selon l'ordonnance là, Martine te dit le fouet colon bacabane là, mais les juges là al gade, li wè, pa gen côté yon moun ka rentre en bacabane ça, même on gros rat pa ka rentre. En nous tande Martine Moïse. Personne, nous là seulement pour me dire des faits. Juste ça, pas mon guerrier, c'est la providence. Rete tande. Parce que moi te crois que la vie son seul monde qui baille son seul monde qui décide tout qui l'a traversé et qui gens ont traversé même pas fin trop comprendre comment me te faire était vivant je sois pas parce que l'heure était ma chambre là l'heure ma chambre là nous chaque te coucher à terre non bon cabane pour si balmat on va passer pour matelas protéger nous de face au tige face à porte là là rentrer c'est moi en avant premier rafale là guerrier c'est moi qui prend m'a regardé président sous palot boss dans l'autre bord cabane là et moi je là aller comme si dans quel dit bon Dieu madame moi et puis me font il lever tête moi tout petit en bas cabane là me font il souquer même et puis me sentir le reprendre force de reprendre courage et ça même fois ça même courage ça que le traverser. Là que yo fin prend tout ça y prend yo vandaliser chambre là y aller. Tendez bien. Bon silence. Et il me dit que si me vivant président ka vivant tout ban me là dans l'hôpital. Et puis l'homme fait ça pour me lever, bras me rete à terre. Me fait l'autre bras prend bras coller dans ça et puis me glisser derrière pour m'aller voir. Tendez Martine Moïse. Tendez bien. Et puis l'homme rivé
Moi, regarde en face, moi, les yeux ouverts, yeux sortis. Je dis, bon, il n'y a rien à faire. Et puis, là, ça, deux mots, après, moi, des bons. Retait en d'elle, juste en guerrier Henri poser la question. Retait en d'elle, tant prison, mon auditeur, retait avec moi. Dieu, pardon pour moi. Parce que je me dis, mon Dieu, pour qui ça m'aide vivant là? Pour qui ça, au seul jour soir, il y a deux petits mains bas mourir, mais un mari mourir bon côté. Ça m'a fait là. Et puis, je viens de un garçon qui est avec nous, qui monte et vient voir comment nous y est. Je me dis, ok, merci, mon Dieu. Garçon est vivant. Et puis, on ne peut pas partir, moi, si on ne peut pas arrêter. Ok, bon, je vais me faire force. Je me dis, mon Dieu, merci. Mon Dieu fait affaire, je le connais, Gary. L'elle met ton mission, elle est bonne. Elle aime beaucoup ma mission. L'elle décide de râler tout et râler. Pas de monde qui pense que Gabriel Actema, c'est quand elle est même jour, même côté, même l'heure. Et tandis que dans le moment ça, il n'y a pas de supposé être ensemble. Il n'y a pas de être ensemble. Mais bon Dieu, il est là. L'elle besoin, il a que j'en besoin. Je dis bon Dieu, merci. C'est lui-même qui compte tout ça, le quittant. Quand on va raconter les six ça, qu'on va aller qui passe dans la tête, mais. Payez attention. Payez attention. Pour la vérité. Libre à répondre. Faire ressortir ça pour moi. Pendant coucher à terre, est-ce que vous t'es senti ou vous t'entendez que vous t'avez frappé? Tendez en mes photos, images, montrer ce monde où Jean Moraïti méchant. Et est-ce que vous t'es senti ça pendant à terre ou à vivre ça ou à écouter ça? Là, attendez. Je n'ai pas même rien, président, du tout. Restez là, attendez là. Parce que yo vini, yo te vini chercher un bagay. Attendez. Le film de bagay là, bon, m'te fait deux, trois temps dans le PDVK, donc m'tendez espagnol même si m'va parler. Attendez ça. Et yo fin de ça au besoin, m'tendez, monsieur, c'est lui même ça, et puis, gros monde qui est là dans le téléphone, il va être description, président. Yes. Son monde qui noir, qui mes, qui roux, et puis il y a le monde qui a l'autre bout du fil. Il dit, ok, c'est lui-même, mon qui était qu'un bel un jour avec Damash Langna, tout tiré de la tête au pied. Yeah. Mais pour qu'on ne parle pas avant la guerrière, il ne parle jamais de dire un mot, il ne parle jamais de dire qui ça peut pouvoir, il ne parle jamais de dire un nien. Il n'y a pas de ni à main, ni à pied. Il a tiré pendant la terre. Pendant le couche à terre. Damash Langna, il ok, attendez là. Le ballon rafale. Entendez là. Ou attendez ça, Martin. À bout. Ouais. Non seulement attendez, moi plus ou moins vive-li, puisque j'ai quand même, il y a pas, parce que quand même, j'en bas. Attendez. Attendez, Martin. Cabanan, yon tijan bas. Attendez, en mes auditeurs. Entrez en bas, vous n'êtes pas plus protégé, je ne suis pas capable parce que je suis trop gros. Ou attendez? Il tape, c'est entrer en bas, cabanan, pour protéger tête li. Li pas capable parce qu'il trop gros. Mais qui ça Valérie m'a fait? Mais qui ça Johnny Ferdinand a fait? Mais ça toute radio Haïti a fait. Il a fait une extension à ordonnance juge qui c'est juge système. C'est juge moun que Jovenel t'a coupé contre Iowa. C'est eux même qui met juge ça pour entraver moun qui t'est tout près Jovenel. Moun ka mande justice pour Jovenel. Mais tout l'autre moun ki gen preuve ki sou radio kap di gon gros bagay ki pral passe Jovenel, même international la pap ka fan rien. Jovenel pap et dernier novembre la pour une année ya nan pays ya. C'est dernier novembre la pour dernier 18 novembre la pour. Mais justice la lave moun sa yo. c'est Claude Joseph moun qui dit justice Haïti a trop faible. C'est son tribunal international pour l'ONU mettre sous place pour investiguer et juger ka Jovenel là. C'est eux même encore qui a demandé justice internationale. Yo tellement qu'on est mafia envahi système là. Et pourtant yo te gen raison parce que mafia tout moun yo connecté envolve dans l'homme Jovenel. Mais on m'en font une logique haïtien. On se parle aux amis là, il dit ah, Martin qui est dans la vraie, oui. M'a font une logique haïtien avec nous. Si une femme besoin touyer mari, zanmi auditeur.
yon femme besoin tuer Maril que l'abdomen d'elle dol chaque soir que c'est lui qui a fait manger pour lui la bré café ensemble avec elle li bré ticler ensemble avec elle tout à fait li fait ensemble avec elle li pas besoin à louer un avion 8 millions de dollars à prendre sécurité dans Miami passer mon Saint-Domingue font bonne bagarre prend soldat juste dans Colombie pour venir entrer dans caï président pour tuer s'il te voulait tuer plein l'autre petit façon il t'a tué président sans monde pas connaît l'autre de yo créer un théâtre yo créer un narratif yo créer un scénario pour entraver moun mais malheureusement pour yo ko pas ka tout fait vérité ou mettre craser Thomas Sankara après 40 ans joindre justice Jovenel Moïse a joindre justice qu'il pleut qu'il tonne Jovenel Moïse a joindre justice nèg yo fait plan yo tuer président mais c'est crétin président tout mais li mouri il fin mouri m pa ka blême cadavre là yo fin fait plan yo tuer yo écrit plusieurs scénarios pour retirer tête yo là dedans premier scénario c'était Michel Martelly tout moun gen tanblié Michel c'est lui même qui tue président chaque radio viré chaque bagarre viré c'est Michel Martelly mais Michel red doucement on pa konn ki travail il t'a fait mais red doucement tout moun dit oh peut-être red doucement pa parle a c'est lui même kounya yo wè bagarre Martelly a pa marché yo changé l yo lagé sous Domatine bien que vous soyez puissant ou misérable les jugements des cours vous rendront blanc ou noir. Lor gade Martine, lor gade Martelly, qui est-ce qui a gen pi gros défense? Qui est-ce qui capable gen pi gros contact pour défendre tête li? Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements des cours vous rendront puissant ou misérable. Après-midi, nous te supposé gagner notre ami Dr. Ben qui était supposé faire quelques interventions avec nous. 732-775-0220, 732-775-0225. Loin de tous ses parents, loin de tous ses amis, au sein de monde nouveau. Cela est encore pire, nous voulons s'adapter. Nèg yo suspect scénario Martelly a pas marché. Yo jeté li. Mon nèg so di m la. C'est pas m'pa comprendre. Nèg yo tellement prend nan théâtre bourgeois corrompu yo comme si pas gagne rien qu'à entrer dans tête yo. Kato tout ça te conduit pas bouger tête yo. Et Dimitri Vob qui était liquidé président, on panier mango sous tête li, red focus, mango à 1000 près pour le tomber. moun sa ou pa konnen rien comme si City you li même ki Miami c'est un business sécurité yo t'en chargé pour le premier SNS au ti Colombie frete avion descendre Saint-Domingue passer des voyer et passer ça non bon dieu matinée chez ayon dieu je et tranquille pas sans raison. Haïtien du. Toi, on fait toujours des rêves. On a qu'une seule idée, c'est le de retour. L'autre face qu'à Benno m'a regardé. Personne. Nous, là seulement pour me dire des faits. Bonne nouvelle, bonsoir. Radio Bonne Nouvelle, bonsoir. Oh, mon ami Ben. Bonsoir. Comment quoi, il va pas? Ah ben, tu sais, on tient encore. On tient encore. Eh bien, c'est ça. Ouais. Combat, yo. Sorgue pour nous là, papa. Nouvelle Lyon, puis Louis. Tu fais une très bonne émission ce soir.
Ah, mon cher, si ça, si ça vient de vous, même ben, me prend oui. Très lourd, très lourd. Oui, c'est un très bon travail. C'est ça nous va gagner en presse là en Haïti, hein? Yes, sir, yes, sir. On travaille balancé, on travaille qui dit les choses comme elles sont. Donc, compliment, mon cher. Merci, garçon, Pam. Mais-même, Villa, dossier Haïti, il faut avoir un peu de courage, mon cher. Parce mon cher, attendez, attendez, garçon, moi. Qui ouais. Ont un courage ou pas, vérité a des pour capable de deal for deal. Et oui, parfois, dire. Vérité a faut deal au péril de ta vie. So, oui. Faut le dire, et l'on comprend ni, j'en comprend ni, faut deal Jean-Well. Allez-y. Ouais. Mais est-ce que vous avez une chance ou une photo juste à Yodi qui a préparé la porte? Parce que il faut dire que jusqu'ici, ordonnance ça pas signé, non pas juge là. Non, l'hypocrisie. Les hommes de son ordonnance que on l'a gué, qu'on s'assure sur les réseaux sociaux, pour avoir qui réaction, mon yagé. Est-ce que des mounta comme Martin, Claude Joseph et tous les restes qui ont cité, est-ce qu'il y a couru à le cacher? Qui t'a dossier à gué? Est-ce que DG a préparé en défense? Par exemple, moi, l'ancien DG de la police, Léon Charles, moi, je fais un travail sous métropole. Moi, je n'ai pas couru faire travail ça. Ok. C'est pas ennemi à côté pour le barreau. Monsieur Vinay prend l'histoire là, là, puis expliquer qui ça a été fait. Non, on pas fait tout bas ennemi à bas ça. Et on fait ce deal là. C'est tactique ça que Matéli utilise. Elle pas jamais répondre ennemi. Il pas jamais répondre. Finalement, ennemi à Vinay, il dit ah, bah ça gueule pas marché parce que monsieur pas occupé, non. Bref, tout a cherché fait de ça. Il n'est pas arrivé parce que le principal concerné n'a pas répondu. Et pour yo virer Kounia là, et puis c'est la bande à Martine, à Claude Joseph, qui ont voulu bah, protéger et responsable la mort du président Jovenel là. Mais mon cher, son pays est corrompu net. Non, pas de regret encore, non. Mon cher, attendez, patin. Président Jovenel te bat nous tous signaux, mais il te bloqué, président, pour ne pas arriver sous peuple là. Eh bien, patin, attendez, attendez, excusez-moi, mais avant avancer. Il était tellement barré, président. Toute radio, même radio qui nan diaspora de yo, seule émission yo publié, yo radio diffusé, c'est émission qui compte Jovenel. Yo pa jam ba yon émission qui pour montrer yon lumière positive de travail Jovenel. Et monsieur Ben, yo konnen pi bien passé que manipulation en communication avec communication, c'est ba qui pi dangereux, li pi dangereux qu'on bombe nucléaire. Ou oui, capable de manipuler un peuple, faire craser Pop Kylie dans sa lap tende chaque jour. Et en dépit que nous dit ordonnance là pas officielle parce que le patient, Paul, le juge en question, monsieur Mboko, j'aime ce que comme ça. Bon, quoi, Radio en France, qui est en publié bagarre. Quoi, dit Radio en France, CNN, CNN. Publié. Ah, pile cob dans bagage ça. En pile gros cob. C'est green cob dans bourgeois en Haïti à distribuer là pour. Mais pour le journal c'est dit. Là ben on sert un citoyen 12 millions de dollars par mois, elle pas fait rien pour lui. Mais ça dit cob dans mail pour le mener campagne là mener là dans le monde entier. Parce que c'est pas 12 millions de dollars haïtiens, c'est 12 millions de dollars US. 12 millions de dollars US. Donc, c'est normal que les gens comptent dans les mains pour faire le travail qu'ils ont fait là. Mais, on compte avec bon courage, là. C'est la propos du président Jovenel. Et malgré, je parlais toute votre pour dénoncer l'état de pourriture que le pays a retrouvé la cause, on petit clic bourgeois qui mettait main aux souris de ce pays, et bien, vrai petit peuple, il n'a même statut social là, monsieur, il n'a pas occupé le nom là-bas. Mais on là autant de pas occuper là, gon travail qui fait pour ça, oui garçon. Faut qu'on ait monsieur yo posséder non seulement posséder mais administrer 95% média pays. Ça veut dire que toute émission ouais qui populaire moun attendait,
c'est nèg yo qui gen chiffre là nan men yo, y a dit premier, deuxième, troisième, comment pour yo faire émission en passé. Tout 80% journalistes haïtiens ce sont des corrompus. Oui, c'est vrai. Si, et, moi m'tend moi t'entendé, moi t'entendé guerrier Henri dit pendant Jovenel t'a vive. Il dit président Jovenel pas habitué avec les affaires publiques. Fol konnen gen des journalistes fol fè travay avèl. M'tande la deux oreilles mwen. Ouais. Pou di fò président konnen fol gen journalistes k ap travay avèl et gon fason sa fèt. Eh bien mon cher. Continue. Donc moi c'est pas bay ki étonné vu là parce que hier encore à cette émission, moi te di que la révolution du peuple haïtien, une révolution vraie en Haïti, premier problème les gars, ce sont les petits vicieux. Amen. Vicieux. Amen. Amen. Ouais. Allez là. Donc, MDZ, dans toute sphère sociale, là, dans toute catégorie, journaliste, docteur, ingénieur, fonctionnaire public, c'est tout le monde en Haïti. Et, nous avons le monde où aller à Villa, est-ce qu'on a une chance pour figuer juste avec ce Dieu de mon cher, je ne sais pas si je chance pour aller. Monsieur, pas qu'il a produit. En rien même encore. Parce que ce qui est arrivé en Haïti, là, nos intellectuels, depuis que nous avons fait quatrième secondaire, les papes fait boss maçon pour vous, les papes fait carpenter pour vous, les papes font série de métiers manuels, et ou bien question juge sur le en Haïti, juge, on sait de petits avocats qui existent en Haïti, ou qu'on est même si monsieur Niolet au film de philosophie ou pas fait trouver une position ça parce que on juge en Haïti son position de misérable frère si pour juger ça ta vie par salaire li papa kan voyager li papa kan courir belle machine donc qui fait vinn gon série d'éléments qui vinn paraît dans le système non c'est des hommes sous table qui presque sans espoir et nous t'a qu'a dit à part quelques rares exceptions, même nos journalistes en Haïti, c'est des nègres, s'ils ont une opportunité vraie pour faire ça au TVC, il n'y a pas de journalistes qui ont fait ça. Donc, lorsqu'il y a des opportunistes comme ça, qui sont dans un système, que ce soit comme juge, comme avocat, comme journaliste, pays, ça a des vrais problèmes. Et c'est ça qui fait, ou pas loin, qu'en 2004, l'histoire d'Aristide pouvait nous s'appuyer. Pas qu'il y ait un coût social non, en Haïti, que ce soit des élites ou bien du peuple cambane, du peuple tonari contre Aristide, non? C'est une affaire de conscience sociale, de sentiment d'appartenance dont parlait Beaulieu, ça n'existe pas en Haïti. Et contrairement à ça, nous avons dit qu'un seul citoyen qui n'a pas parlé en Haïti, c'est le théorie. Lui-même, lui pas politicien. Il n'est pas venu faire lutte politique, il n'est pas venu changer le pays, c'est manger la piège. Oui, il dit. Yeah. Et moi, c'est ça, tout le monde en Haïti a fait à de rares exceptions. Parce que pouvoir en Haïti, le pays est tellement désorganisé, quel que soit le pouvoir, ou pas l'autre possibilité que venir riche. Pauvre Jovenel, ou même Jovenel, il a bloqué aux jeunes 40 millions de dollars US en de la caille, monsieur. Monsieur est certain, pas de ça seulement. Donc, c'est pour te dire que, tant qu'en Haïti, mon cher Soba est très corsé. Heureusement, là, nous-mêmes, nous, à l'extérieur, pays, mais avec conscience, nous avons dégagé là. Si pour nous, dans le pays, mon cher, nous allons faire les frais de l'affaire. Mon cher, moi-même, moi, c'est le bagage. Bon, peut-être ça n'a pas jamais fait. Ça qu'a fait un jour, nous pas qu'on est. Mais c'est que moi-même pense que seule solution Haïti, faut gagner un monde à caractère qui prend pouvoir ça et puis éteindre le pays. Éteindre pour un bon temps, les recommencer pays à base intègre pays, éteindre les médias, éteindre tout ça, même gens avec la Corée du Nord. Rebâtir pays, nous pas prendre liberté monde pour jamais. Mais un bon 6 mois à 1 an, couper signal signal et internet, couper tout bagay, le fini, recommencer, au moins tracer,
fondation reconstruction pays ça parce que si nous pas refait la zéro mon cher Ben on pas côté nous pas le faire et faut que nous soyons capables de courage pour le camper devant communauté internationale là pour dire toute nègre était dans baraque yo oui pas venir parler avec that's right parce que ça qui a passé là de nos jours ouais chaque fois nèg yo besoin c'est comme si nous regardons les blancs de l'extérieur qui forment une communauté internationale là c'est un cours sont consultants liés m'a peut des ex de GPNH là qui dit président mouri la caille oui qui moun monsieur relé pour dire est-ce que c'est vrai c'est dit qu'a opéré caille président monsieur relé ambassadeur américain dans ambassade américaine pour demander ça malgré président mouri oui ambassadeur a dit d'autres ri OK attendez on comprend donc c'est un pays vendu pas parce que l'étranger achète le pays mais il est vendu parce que nos petits hommes de la classe moyenne et bien que ça a des rêves il est pas possible pour réaliser en Haïti tout pas vendre conscience tout pas dans corruption et c'est ce qui est arrivé et mon cher Ben mais l'on essaye pas dans corruption chef corruption a un système ni en place pour le salou pour faire moun connaître ou chef corruption ou pas comprendre même sûr, même le ou ta vle pas faire corruption ou entre dans boîte là ou dit qu'il t'aime travail normal mon cher nèg qui gros brassé dans boîte là pour aller travailler ou qui donc ou pas gain choix ce soit quitter ou du moins ou rentrer dans jouette là et Vila, la chose est tellement grave top dit là l'administration publique là on n'a pas qu'à dire bon le secteur privé c'est une affaire privée le bien géré c'est OK il est présent même dans le secteur privé parce que nèg ou de qui dou li entreprise là sont véritable boîte. Si son entreprise qui réalise 20 millions de dollars par année, la DGI vini, yo bon liste spécial yo préparé pour lui, qui montre seulement entreprise d'affaires 30 000 dollars pour année. Alors que c'est 2 millions qui a généré, les gens prennent l'argent, déposent dans le compte personnel. Yo. Alors que sont leurs crimes encore? Tout le corporation, la fait comme, pour prendre comme la, virer le compte personnel, sont leurs. C'est une pi gros bagay kap detu peyi a, c'est ça qui fait Claude Bourgeois ça c'est piller la pi peyi a. Li fait de gros corporations kap fait comme mais pourtant il a déclaré bay de GI 20 000 30 000 dollars l'année et puis tout million à l'account personnel yo et au pas payer taxe li. Parce que de GI lui même l'a gardé 20 000 30 000 dollars profit pour les sorties entreprises. Pourtant que 2 millions kap géré. Et tout le monde songeait, histoire président Jovenel, tape essayer d'expliquer peuple là, soit fait 4G et 5G dans le pays. Ouais. On bagaille qui coûtait, qui a rentré 370 millions de dollars au pays, gagnant un commerçant sous qui dit mon cher, nous avons 10 millions de dollars dans le café là. Oui. On bagaille qui a rentré 370. Il vient offrir président 10 millions pour le signer papier, il fini, le pays a gagné 10 millions de dollars. C'est pas juste. Et c'est parce que pour bien comprendre ce qu'on fait là, ou après que avec quelle facilité on élément en tant système privé, c'est vine président pays, sous un série de leurs citoyens honnêtes. Pour nous peut-être qui ça, système privé a passé près de 30 à 40 ans comme directeur général de la DGI. Donc c'est un homme du système. Un homme du système. Deux livres de comptabilité, ça, système privé qui connaît ça, pour le connaître ce qu'on fait. Mais c'est toléré, parce qu'il y a le pouvoir en battable. Et ouais, pour M. c'est un gros potentiel, malgré le pas président là, il y a une série de bagailles, c'est lui qui a manigancé. En pile bagaille, pas qu'à fête si Jocelyne Privé pas belle bénédiction. C'est parce que le bon petit bourgeois qui derrière, un bon qui dans le secteur privé qui derrière, parce que c'est l'homme du système. L'homme du système. Il fait près de 30 à 40 ans à quitter Nectar au passé à livre 20 000 dollars. Alors que c'est des centaines de millions de dollars qu'a fait comme profit. Mon cher Médanger Aben, quoi dit-moi ce que vous pensez de cela? Les mêmes gars de qui Jean-Pep Saté saccagé Jovenel qui t'a pêché font travail dans le pays.
Koun yala ta gon eleksyon, Monsieur X ou sinon Monsieur Fonrose vin prezidan peyi ya. E li ta vle honetman devlope peyi ya nan agrikultur, nan komers, nan tout sa ki devlopon nasyon. Eske pep sa anko, apre tout sa l pase la, pa pral kanpe kont li? Ah, li tre posib. son pep fouri ki la. Malè, pou diab Jovenel. Jovenel, se pou pep sa al mouri, oui? Pou pep la al mouri. Malouzman, mche mal mouri, on a kal mouri pou. E se sa ki vin bay korripsyon jarret an Haiti. La ou nek te kou Jovenel vini, pep la pa embrase l. Li mouri pou pep la, e pou wad bagay ya pase jen, ya pase la, bo koun ya on lot eleman de la klas. Esko ka vini pou gen menm pozisyon Jovenel la? Naturelman, m'espere, il viendra un jour à bon élément de la classe qui a pris pouvoir, et bien c'est pour aller l'autre du valier. La vie dans toute l'équipe, il a dégagé, il met le système pour être capable de correspondre à une série de nègres de pays. Parce que, une série de nègres en Haïti, là, tout ton extérieur existe, nous mettons oublié ça. Parce qu'on a fait pays même, Gabriel. Et l'extérieur, on a regardé comment juge on petit nègre, noël, petit soyet. Ou ap gade Jean-Michel Ranger kol, pa gen non ti milap menm ki site. E asasina se ti milap ki prepare la gaya. Se milap ki fel, se milap avec deux, trois grenes nek noue, yo pran met devant, ti vicieux, yo pran met devant. Right. Je pas site nou, yo nan milat yo. E se yo k met chat la, se yo k manje chat la. Se yo k met chat la, yo k manje chat la. Se yo k même moun fou saisi. Même moun fou saisi. Et ou après juste ça, ou après ter ou pas tenter parler la empocher comme parce que pour moi même non comme je vais là, on a qui se tient pas 2 millions de dollars US. Bon, la fini plus peut-être ville qui a menacé tout hein. Bon bonne bagarre pour nous prendre en considération. Vi nèg la ka menase et si c'est si pas même moun li fè kou pou yo ouais même moun sa ka éliminé lou ya oui et vi moun nan menase et l'oblige agir mon cher konn sa kwate vi juste menacé de toute la façon de toute la façon bonsoir Jacqueline Mita bonsoir ou sou ligne là nous pas trop ça non sister ou présent yes ben nous met continuer. Parce que normalement, si ce qu'on appelle le secteur populaire digne de ce nom existait en Haïti, juste avinon ennemi de secteur populaire là, automatiquement. Alors que moun qui t'a payé pour le faire pour ça qu'elle fait là, parce que pas qu'il n'y a pas à sortir de là, juste à son juge payé. Pas qu'il m'a dit même dans ça. Et mba kwa gon moun gen Haiti ki pa comprenne ça. Mon cher mba même quoi monsieur paye. M'pense yo écrit ordonnance là pour lui même pour le publier. Mba même quoi ces juges là qui écrit ordonnance là. Parce que qui ça monsieur fait? Yo vin établi ben songer moins tout ça nos émission. Nèg yo se goumé ap goumé comment pour y tirer Ariel mettre André Michel comme président pays. Et pour yo faire ça yo éliminer tout moun yo pensé ki capable yon challenge pour ça ou vle faire et façon pour yo éliminer moun sa yo c'est à travers et international là fait ba yo sanction on liste de moun ba yo sanction même Saint-Domingue rentre dans ba sanction et dernier coup c'est un juge qui l'ont mené un paquet moun mais son paquet moun qui allié ou bien moun qui était avec Jovenel ou pas comprendre. Oui, on comprend ça très très bien. Yeah. Parce que pour un juge pas peur, monsieur, pour mettre Martine Maurice, un monde qui manquait peur de ville, qui dommage à l'heure actuelle. Il dommage. Et puis c'est non lucide comme monde qui était dans le complot pour tuer Marie. Pop Marie. Et elle te ça, tuer, s'il te bien tuer Marie, il n'y a pas besoin d'en louer avion, hein? Ça vous pensez? Oui, ça va pas marcher. Mais, et puis, qui ça n'est qu'il dit? Juge américain qui lui même boy ici qui déjà jugé condamné monde et qui pas tout à vrai c'est deux graines
nan moun ki deja nan prison en Haïti seulement que juge américain en connaît. Gon bon moun yo mette nan papier ça là. Pa bon ici tu pas konn moun ta ou nan baye kota du tout. Du tout. Parce que la réunion t'a fait à Miami. Pas de Martin Moïse Dadan, pas de Claude Joseph Ladon. Gon bon moun yo cité là, yo pas là. Ouwen. Donc son véritable nonsense ça qui a passé là. M'espérer qu'un jour va arriver côté juste ça, il va mettre une jeune opposition pour le rétracter, pour le témoigner. Non, mon chef, juste ça mérite arrêter et emprisonner. Parce que ça, ouais. La fait là son acte de trahison que lié, il met en opposition de justice. Il dit, même Bible a dit justice, lever une nation. Sous une opposition justice, mais où prend cob pour faire corruption, pour indexer moun qui innocent. Mon choix plus qu'on trahit, on monde qui trahit pays. Oui, et ça, ce qu'il a fait. Yes, parce sir. Que, à bagage, ça qui sorti là, c'est probablement les sorti sont signés, mais côté pour monsieur, il déposer documents, puis il conserver documents, il doit signer un copie ça. Oui, m'entendez que lundi, il a pris mettre le chef Pakea pour qu'il fasse suite à ça. Mais, et bon, et ça ne qu'a dit. Et juste regarder pour regarder. Mais on connaît. Pas de peuple encore. Non, pas. Non, associé. Non, associé. Comme M. Ko Ben. Ouais. M. Toujours apprécier prêcher moun qui veut tendre émission ça et moun qui peut tendre sur TikTok, passer non live sur TikTok tout. C'est que pour comprendre que. Et. Yo zombifié peuple là. Et l'aime de yo zombifié là, c'est pas question. De zombies en Haïti. Haiti mon ouais si boîte ça que les téléphones smart téléphone tout monde gagne en mais chaque jour tête en bas n'importe quoi trop jeune monde tête en bas l'autre de tête en bas là perdu dans cela regarder il pas même carré sac aux alentours gagne monde qui connaît même marcher frapper machine ou sinon machine frapper ça veut dire que qu'on n'a pas les de pays développés. Je parle de pays où il n'y a pas aucun développement, celle ça moun nan connaît c'est tout bout de téléphone nan. Ça veut dire que ouais. Grand goût là pas même connaît le même. Ouais. Il pas ouais. Même connaît ouais. Le grand goût. Il pas même connaît la mal dormi, c'est que li besoin sur internet. Gen moun ka besoin que longtemps moun nan te gen 10 dollars. Là le chercher un temps picola chon bay pour le manger, pour le boire. Koun ya les moun nan gon 20 dollars. C'est minute. C'est oui. C'est ça au gérer. Ou t'as parlé en Haïti longtemps, t'as dit, m'gangoula, mon cher, l'autre, kounya l'a dit, mon cher, m'bag une minute, là, 20 minutes pour moi. Yo zombifié moun nan, li pa même kont sak sous côté l'encore, et kap vin detou, parce que blanc li, même l'el dessine ou bagay, li fait combien de temps dans le laboratoire, li teste l sous sourit, li teste sous rat, comment le pral travail son population, ki pa gon ken recours, ki pa un côté pour l'aller. Tout côté ville pour l'aller, c'est dans le téléphone nan, pour le perdre. Ça veut dire que, même l'a fourré maintenant poche lui parfois elle pas ouais. Même carré parce qu'il perdit dans téléphone ouais ouais mon cher Ben dame font petit parler même s'il est à fin passé 9h déjà traversé nous avons élection qui vient année ça oui là faut commencer parler de lui hein oh bien sûr commencer parler de lui parce que nous avons deux petits monde qui prêt pour mourir qui prend le goût pour place là et en pile causé a fait dans plusieurs cas et de Donald Trump il gagne plusieurs au moins 91 indictment contre lui et monsieur était un nègre très populaire jusqu'à présent et nous pas trouvé dans Biden un nègre qui cagoumé bien que tout fait yo tout fac yo en profit de Biden parce que et économie pays a bien marché un emploi très bas et déficit pays a diminué tout éducation yo montrer que Biden a fait un bon travail mais physique là moun pa ka wel nan Biden. Alors, ça n'a pas assisté là aux États-Unis. Et ça y aurait en termes techniques la gérontocratie. Côté ces grand moun qui a dirigé. Parce que non seulement deux présidents qui en face là, deux candidats ça c'est deux grands moun qui presque fin mourir. Mais même si on regarde tout à travers département, puisque ici, on ne peut pas parler de ministères, ce sont des départements qui existaient. Donc, on voit que le conseil de grand monde qui est en poste,
regardez monsieur Pentagone là. Mm-hmm. Ouais, dernièrement monsieur Tabjiri du prostate les salvadinegio. Donc donc c'est la pure gérontocratie qui dirige aux États-Unis à l'heure actuelle. Mais vous m'avez nous conduit pour Haïti, grand excellent état. Mais mon cher, l'arrivée même là aux États-Unis, grand excellent état, parce que. Oui, grand excellent état. Lorsqu'on le candidat Trump, son équipe a quatre bagailles qui campent devant nous là. Premièrement, l'accusation pour mishandling classified government file. Côté otage, je viens de bailler dans Mar-a-Lago à la carte des boîtes de documents qui étaient supposés être de la Maison Blanche pour classer pour l'histoire. Ça, c'est une. Donc, là, elle finit, l'Igon bagaille contre lui. Deuxièmement, qui c'est falsifying business document. Elle pas fait, il a fait pour le faire comme nous, c'est pour le faire caper un petit boubout qui te gagne sexe avec elle. Mm-hmm. Et deuxième bagaille là. L'Elfini, li gen yon bagay contre li, côté monsieur, yon accusé de l'étape conspirée pour l'overturn élection 2020. Yo. Oui. Et c'est des accusations très sérieuses pour une démocratie, quand une démocratie aux États-Unis. Hein. L'Elfini, monsieur, gon fédéral, un document qui derrière lui, parce que. Question élection, monsieur, quel problème dans Georgia? Oui. Non, c'était Georgia. Mais tout, gros question d'interférence dans vote 2021, que fédéral, gouvernement, là, tout pour tes monsieur. OK? Donc, elle, s'ouvre, monsieur, presque pour les guilty pour changer ça. Parce qu'elle peut interférer, vous côté Mounio débarqué en dedans, côté monsieur sénateur, tu as peu dégagé. Pour envoyer nos Biden dehors et puis monsieur fait partie de nous de back en bas. Mm-hmm. Donc, lors des quatre accusations qu'on s'est dehors, là, si c'est moi-même à voir, ou bien les potes qui m'allèrent là. Il te met Obama. Il te met Obama. Il te met Obama. Pour votre candidat encore aux États-Unis. Not too much. But nous, monsieur Kebela, et puis une bagaille qui pita et rib encore. C'est toujours une révélation ça depuis en 2020 côté monsieur Tap favorisé Poutine, il était gain de très bons sentiments pour Poutine, mais on vient découvrir que il y a une série de monde qui autour monsieur, vous avez dans cabinet elle-même qui a contact direct avec mm-hmm. Poutine, certains là dedans qui a contact direct avec Poutine, certains là dedans investi l'argent dans des business côté Poutine qui a intérêt ou bien de la business, oui, tout simplement. Donc, la débatte est grave qu'on s'est parlé. On a bien des misères, on a fait Moïse Jean-Charles passer dans une aéroporte, passer sur un voyage en Amérique latine et on connaît le contact avec des partisans de Poutine. Nous disons qui misère au fait, monsieur, passer alors que le président des États-Unis, même les montrer comment le favoriser et qui sentiment. Favorable que le gagne pour Poutine. Et là, le fini, je me dis, il y a à peu près 15 monde qui sont autour de monsieur qui gagne ou bien contact direct avec Poutine ou bien contact avec monde qui sont autour de Poutine. Mm-hmm. Tout ça pas empêcher monsieur candidat toujours, non? Donc, je me dis, c'est l'état, mon cher. Good. Mon cher, je dis à la dans ce moment là, depuis ça, il y a plus qu'un an, nous connaissons que dans le congrès, MAGA républicain, yo, fanatique Trump yo gagné yon avance comme si yo gagné à peu près 4 ou 5 et congressmen en plus démocrate yo. Et monsieur yo gagné yon inquiry yon besoin et comme on dit ça encore pour yo et juger qui terme là encore et yo besoin et garder terme là glisser tête moi là nèg yo besoin impeach Biden. Ouais. Nèg yo besoin impeach Biden et toute médaille tout, nan télévision toute la journée yo gen gros preuve parce que yo gen yon moun kap ki nan FBI même qui pral témoigner et que Ukraine by Biden l'argent Biden prend l'argent nan main la Chine et bien ou konnen FBI li même la civé à droite à gauche
yo vin jwenn ke monsieur ça c'est yon agence de Moscou, ça veut dire ils sont double agent, l'a travaille mais la prend information dans main Moscou pour déstabiliser pays là. Et bio c'est espion pour Moscou. C'est espion pour Moscou mais congressman Jordan, congressman Green, tout le monde ça yo compter sous monsieur qui pourrait témoigner contre Biden pour qu'a impeach Biden. Yo vinn find out monsieur menti la bay, histoire c'est histoire Moscou et cuite pour la guerre dans États-Unis pour créer problème et jusqu'à présent monsieur République dit bon même si monsieur menti la bay mais ça le dit bon. Oui. Même si c'est menti la bay oui, li monsieur prouvé dans tête li testify, li témoigner bay et FBI. Mon cher mande pardon, c'est menti la bay, ça m'a dit c'est Moscou qui te bombre yo. Jordan fait qu'on est que mon cher même si monsieur menti la bay. Ça le dit pas vrai mais ça le dit t'es bon. Maintenant pour nous arriver dans politique ici, dans politique américaine. Ça va qu'elle saute un peu Bernard. Oui, ça va qu'elle saute et c'est ça qui fait quel que soit Jean Metel on dit que la politique c'est la gestion de la vie de la cité. Mais politique là au moins tellement vinn gien intérêt divergent la donne, vinn tout non bail sale. Oui, oui, oui. Ouais. En dépit, c'est la gestion de la vie de la cité, mon cher, son problème. Hein? Son problème. Son problème lié. Et maintenant, tout pays, même sous temps des États-Unis, tout problème lié, mais tout pays toujours garder vers les États-Unis pour garder comment yo même et après réglé business dans le pays par yo. Mais si pays ça a vinn désorganisé, problème et coup d'État, n'a pas gardé ça qui t'est passé dans le 6 janvier le congrès le 6 les nèg ont attaqué congrès a n'a mandé tête nous côté nous pour aller après ça bon je suis ce que nous pas connait comment on va le faire mais que ce soit par la mort naturelle des fois il suffit de l'élimination de certains hommes et puis nous retourner à la case de départ that's it recommence à zéro rebattre quatre là parce que ça nous gagne là. Monsieur est certain, dans 4 ans encore, nous n'avons pas gagné un candidat. Nous n'avons pas gagné un encore. Bon, c'est pas c'est nous. Très probablement de jeunes gens de la nouvelle génération qui pourraient paraître. Et puis, au cas son l'autre langage. Parce que l'IPRON seulement Ronald Reagan pour te changer de dynamique, la forme Jimmy Carter, par exemple, qui te montré que les États-Unis faibles, ou te la crise des otages avec l'Iran. Hop, Rigana Nick Parot, tout le monde. Mon cher, nous pas pouvons parenthèse ça, non, parce que tu as marché devant nous. Mais après ça, grand pile qui saute tout d'un, c'était qui prit Gana TP et Iran pour qu'un bénégio juste pour éliminer Kate. On nous continue. Nous connecte et nous connecte. Et ça, ça dit la politique, c'est une bonne chose, c'est la gestion de la vie de la cité. Mais lorsque l'intérêt est trop divergent, la politique la vie non bas est sale, et c'est ça n'a pas gardé en Haïti là, et c'est ça n'a pas gardé devant nous là, right here. Ben, merci mon frère, merci mon ami. Et il n'y a pas de quoi faire. Vous mettez expertise ou est disponible pour nous, Nabdou, merci pour ça mon frère. Il n'y a pas de quoi, salutations à tout le monde, mesdames, messieurs, gardez l'antenne, restez bossés sur votre émission, déjà passez un bon week-end. Et si nous voulons même, déjà, une bonne semaine à venir. Ah, ok, mon frère. À vendredi prochain. D'accord, tiens bon. Ça vous fait moins là. Ou qui vous fait moins ça. Eh bien, 9h15 déjà, mesdames et messieurs. Dès qu'on vive à vrai, on s'en est toujours aimé. Nous aurons quelques 40 minutes de musique. Salutations spéciales à nos amis qui écoutent. À toi. Eh bien, nous sommes au vendredi, le dernier vendredi du mois de février. Alors, comme coutume, mesdames, messieurs. C'est fort pour songer.
nous allons faire un petit rétro. T'es toujours à main. Je veux dire, jouer de la musique. Avec celle-là, la semaine, ça, à soir. Nous, papa, je joue musique, papa, me t'es content. T'es toujours vivre à main. M'attends des musiques, mon king est 60 ans, Kounia. T'es content dans les années 78 à 85. Alors, nous voulons faire référence spécialement des frères de Jean de Pétionville. Les jeunes gardes d'IP Express. Ah ouais, Cabane Choukoun. Chez 14. C'est Saltayé, c'était l'ambiance. 79-80. Salut Ben, salut Monsieur Banafonrose. Une salutation spéciale à notre ami Christian Louis. Il nous écoute à Eaton Town, New Jersey. Bonsoir Watson. Watson dans sa bakounial pas n'entendre des radios. Bonsoir Jacqueline Maurice. Bonsoir Jacqueline Jérémy. Eh oui, bien c'est la vie. C'est la vie. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Wow. Bonsoir Luc Nier Senatus. Toutes les amis qui ont écouté nous sous taxi. Un peu partout dans ma mouscaoni. Si nous cherchons la joie, si nous trouvons la joie, la joie c'est ça qui est bon. Si nous cherchons, si nous montons, si nous descendons. Si nous cherchons la joie, si nous fouillons la joie, la joie c'est ça qui est bon. Si nous voulons faire musique, nous toujours fait musique. Et quoi, hier? Nous cherchons la vie, nous voulons jouer. Nous ça. Nos amis a raconté, ça l'a passé. Nous t'es qui sans espoir, madame Boui, les quittés la toi pitié. Attendez. Nous t'es de peine, les peurs comme ça tout le faire. La nuit matin, la passe d'un grand hôtel balé. Si mon a prié, les obligés sont-ils.
la fè pirouette, deye de yon bourette. Oh my God. Qui sa la vie votre passé demain? L'oblige pas ça, parce que l'inoka, que l'a déchiré, c'est la vie. Wow! Moi t'es petit, moi t'es l'école, moi t'as fait belle pour. Oh my God. Nos vies séparées, on pas besoin de fuir, moi pas changer. Il n'est pour nous parler. Je dis à rencontrer, garder de l'eau couler dans les yeux, papa. La vie ça fait sembler mon cher bon courage. Ah, la belle, la belle, la belle. Alors ce soir, nous ferons une petite balade à travers les rues de Pétionville. Ah ouais, ça va être accompagné avec les frères des gens et le DP Express de Pétionville. Deux groupes Pétionville qui pralent Fontit Pokekonyola. Ça, c'est deux groupes qui t'ont fait noyo dans les années 70. Frères des gens, DP Express. Toutou, pas de quoi faites, laisse. Alors, cache en côté, vous cachez. Téléphone, c'est 732-775-02-20. Très prochainement, c'est va la fête du drapeau, le 18 mai. Et d'après ça, on apprend trois différents groupes qui ont organisé là pour fêter le 18 mai. C'est ça, lié. La vie à tu, la vie à belle, la vie à toi. Paris c'est tu. 18 mai. C'est le fête haïtien toujours mouté fierté yo. La vie à belle, la vie à. Après ça tout entré dans coquille yo. 18 mai, année ça nous souhaitons une vraie fête 18 mai. Et non ville là parce que ça fête dans toute l'autre ville côté haïtien. Nous souhaitons ça gagner une belle fête de 18 mai. Même si on fête 18 mai qui représente foi chrétienne moun, mais c'est fête drapeau qu'a fête. Nous souhaitons gagner 18 mai côté gon bon rara, gain folklore, gain musique, gain poésie qui montre vraiment racine haïtienne. Oui, nous sommes pieds bois qui gain plusieurs branches. Nous devons présenter ça dans toute tournée nous. Le seul bagaille yon fait 18 mai, c'est seulement en anglais le fait. Et puis, à honorer américain, pour moi, le gonti coulé, c'est pas ça, c'est pas goal là ça. Salipote. La vie à tu, la vie à belle. Mon téléphone, c'est 732-775-02-20. 732-775-02-25. Da pa, da pa. Challenge, frère des gens, DP Express. Depuis matin levé, ma mina, on me chatouille moi. Moi, Diego, pas même ça, ma mina, on parle côté moi. Depuis matin levé, ma mina, on prend les choses. D'ailleurs, les églises haïtiennes, ils ont retiré toute tradition qui montrait nous, ces haïtiens, dans toute pression, dans toute façon de faire. Pas grand rien haïtien qui est dans l'église encore. Et me songer, ça fait quelques années, nous t'es allé assister à un service d'adoration dans le dimanche matin dans l'église Pasteur Miller, qui sous 35. Là, tout le monde connaît, c'est les radios à fête et pendant deux années déjà. C'est un dimanche ethnique, c'est comme ça, t'es côté haïtien habillé, tant qu'on paysan haïtien et dominicain, jamaïcain, tout le monde habillé.
tant kou yon habitant haïtien te kabi avec toile siam sou ou aussi non chemise brodée l'aime te rentrer l'église ça me te fier pour moi parce que l'église j'ai pas fait ba comme ça pour vous parce que c'est bout de veste à bout de colle là te mettre 90 degrés dehors haïtien faut le montrer c'est français lié faut le gain bout de colle li dans couli veste on haïtien pas mettre en chemise on dimanche matin il a respecter bon dieu ça va il a nous gain 200 ans en retard comme peuple nous gain 200 ans en retard 200 ans en retard comme si mon nan ouais s'il pas mettre gros bout de veste trois pièces là on dimanche matin il pas habillé et pourtant là non l'église qui pas haïtien ou sent tout cool ou sent tout à l'aise ou ka vin en pépé baïa ou sinon chemise haïtien qui gon ti baudri puis haïtien la donne ou à l'aise pour adorer pour ensemble parce que même pasteur qui a dirigé à son chemise jamaïcain il gen sou li à l'aise c'est pas haïtien s'il pas semble européen haïtien pas bu lui même ou fou pour haïtien al sou chez dimanche matin ou pas gen vers sou li ou ta busy Mais c'est le bas qu'on est. La révolution viendra. Au pape cabaret. Photo grimpé. Le 88.fm Radio Bonne Nouvelle. On y a quitté influence européenne sur plus que influence haïtienne, une influence africaine. Et dans ces minéraux, on monte au Sahara. Sous pas semblable à blanc ou pas moun. Salutations Bello. Il est à Bethlehem, Pennsylvania. Salut Bello. Salut Franck Elfragé. Salut Bienavose. Radio Bonne Nouvelle. Pas oublier Radio à mes amis. Nous déjà deuxième mois année à paix, quittez-nous là. Nous souhaitons ou même qui qu'on habitué à supporter l'émission ça. Trois mois année a déjà traversé là. Nous souhaitons faire plan. Moi de mars là, les nourrir l'eau mandéo. Pour nous passer de mon porte la caillou pour la gonti enveloppe pour nous. Les portes saletés à la bon pour Radio Bonne Nouvelle. Passer des pensions en pile. Nous suivons pile mon a fait événement. En pile mon a prouvé office. Yo besoin radio pour affaire publier. Yo besoin radio pour tout le monde qu'on a fait. Yo. Mais yo pas mettre radio dans plein de pensions. Même voir le payer pour faire flyers là. Ou dépenser un petit quoi pour faire flyers là, oui. Mais radio, il fait plus gros travail que flyers là. Ma chef, viens jouer nous. Radio Bonne Nouvelle. Allô, Timono. Il prend l'argent pour radio à vivre, mes amis. Va nous songer ça. L'envie nous fait plusieurs semaines. On va pour mettre un programme dans radio. Et puis les rapports du gamme n'a fait ou pas même mentionner radio à une fois pour ta balle une petite promotion. Méchant yé. C'est une potée trois quatre l'autre. Mais non plus à fort pour aucun cop gratis. Ou même au moins, l'on a fait événement là, reconnaître radio. Ou pas besoin de reconnaître Villa. Bon, Villa Big Papa déjà sali. Au moins, reconnaître radio. Nous trois égoïstes. Ou besoin de tête ou seulement pour paraître. Si vous mettez égoïste son côté, vous privez plus vite. Ou mettez quoi même. Ou sentir sous tête ou pas paraître nos bagailles. Bah, elle a pas bon.
Bonne nouvelle, bonsoir. Bonsoir, monsieur Villa. Bonsoir, monsieur. Monsieur, je suis content de vous emmener là. Je ne sais pas si mon frère, comme plaisir. Comme plaisir, je suis pas du forfait, non? Toi, dire, ok, ça t'a vu là. Je fais des gens, je fais moi, mais tant de vraiment. Mais chaque dimanche soir, je suis allé danser, elle rentre chaud avec Bossa Combo. Tout à fait, moi, impossible. Je suis allé Bossa Combo. Je suis allé qui est. J'ai sorti Missy Bossa Combo. On t'y Bossa Combo? Yes. Eh, pas un problème. Ok, mais, mon ami. Excusez-moi, comment ça m'a pas attendu même? Ça quoi, c'est lui? Mano, oui. Mano? Ah, mais Mano, attendez là-bas. Ni lui-même, attendez là-bas. Il est couché déjà. Ah, non, parce que je connais toujours le vendredi, je m'attendais pour voir le même quelque chose. Ça n'est pas Mano, mais c'est. Littéral. Non! Littéral, le vendredi passé, dernière minute, littéral. Oui, mon frère. Merci beaucoup. Bye-bye. Ou même tout. Chantez, chantez, dégagez nous pour nos prières, pour le monde capable de changer, pour vivre l'union avec la paix. Si dans la vie, j'ai mangé cher, à des messages, moi, pour des murs, je refuse de vous y conduire. Personne n'est à malfaisance, à qui nous nous tentons de vivre, à qui la situation nous change. Nous ne sommes pas musiciens, c'est pour faire les gens plus loin à la mer, pour faire nous notre bonne sauvage, malgré des bouchers, on vous convertira. L'argent, ouais, allons voir la malédiction. L'argent, mon bimou, ta tête, l'argent, mon bimou, bêtise. L'argent, ouais. Radio Bonne Nouvelle. La jambe en bimou cultivé. Mais c'était devant ça qu'on en a. La jambe. Allons pour malédiction. La jambe en bimou cultivé. Après la qui consouillait. La jambe. Allons pour malédiction. Ici, papa qui est classé. C'est la jambe qu'on dévoile. Pour qui ça ne pas ouais ça. C'est la jambe qu'on t'aime, pour qui ça ne pas ouais ça. Et moi apprendre Monsieur Love, Mr. Love, nous avons mis qu'on était à nous apprendre que Monsieur malade, il n'est pas bien. Yon seul bête pas manger. Oui, ya. Oui, c'est l'union qui fait succès. Égoïste pas jambaye. Égoïste pas jambaye. Manque fraternité. Manque fraternité. Boyo, ouest de boulot. Si bon reste pas de sang. Si bon reste pas de sang. Capital pas manger. Capital pas manger. Nous toutes ces nègres d'Afrique. Nous toutes ces nègres d'Afrique. Petit non c'est des salines, pour qui se donne la réchouille l'autre. Mais dans la mer, pour nous marcher, mais dans la mer, c'est dans sa bonne année. Mon petit baisser. Mais dans la mer, tout le monde, que même dans la mer. Mes amis, mais dans la mer. Mais dans la mer, pour nous marcher, mais dans la mer, c'est bon ça pour nous aller. C'est bon ça pour gagner l'union. C'est bon ça. Mande pour musicien, dit. Mais dans la mer. Mande pour musicien, fais des gens, yo. Pour monter sous scène pour nous. Musicien, fais des gens, bossa combo. Tout le monde est dans la mer. Pour nous marcher, c'est bon ça pour aller. Mais dans la mer. Ça tous est de blé. Mais dans la mer. C'est ça des salines de blé. Mais dans la mer. Pour faire une marche. Mais dans la mer. C'est pour les deux mains dans la mer. Mais dans la mer. C'est ça m'a demandé. Mais dans la mer. C'est ça qui doit faire. Mais dans la mer. C'est pour qu'un bébé de la mer. Mais dans la mer. Mes amis, mais dans la mer. Mais dans la mer. Mes amis, mais dans la mer. Mais dans la mer. Mes amis, mais dans la mer. Mais dans la mer. Mes amis, mais dans la mer. Mais dans la mer. Mes amis, dans la mer. Mais dans la mer. La vie est dans la mer. Mais dans la mer.
douce, moi pas salié. Haïti chéri, moi pas salié. Haïti douce, moi pas salié. Haïti chéri, moi pas salié. Pas salié, tout sauf pour moi. C'est un bras long, oui, moi pour paix. Chaque fois, regardez autre l'eau. Pour ça qu'on boit Haïti. Pas de moyen pour m'offrir ou être. Nous préfassons une passion du pays, non? Radio Bonne Nouvelle. Magouille a fait dans le pays. Plan Mounio, c'est mettre nous tous dehors pour pays à venir dans le pays qui semble à Saint-Domingue. C'est plein de ça. Mais il y a presque 100 ans depuis qu'il a signé contre ça. Et songez nous de ça, monsieur Sayo, c'est une grande invasion de la République Dominicaine. Il y a planifié pour Haïti. Pas aucune raison pour y a et renforcer l'armée dominicaine dans bayo avion bayo tout ça aussi posé gagner Haïti chéri moi pas s'habiller. Oh peut-être haïtien peut-être pourquoi ouvergile pour le comprendre chéri, moi, pas sinon ouais ça cap passer en entre Israël avec Palestine moi, pas. La bande de Gaza Haïti pas s'habiller s'allier nous pas qu'oublier pays ça les mêmes qui bat nos naissances et c'est Haïti seulement on pas croire qui on pas qui sont gagnés comme et possession et matériel ici mais c'est l'on en pays où sans tout le monde. Radio Bonne Nouvelle chaque jour tout près de vous. La radio, c'est la radio. Bossa Combo, sur demande de Monsieur Fragé. Malheureusement, journée aujourd'hui, il y a des gens qui ont raconté sur eux, mais ils ont pris un petit jouet. Bourgeois mafia, il y a un nec sur le réseau, on a été des nec qui à l'école, mais ils n'ont pas gagné force pour penser peut-être pas. Il faut attendre des mots vannes, il faut attendre des théories pour eux-mêmes, ils ont fait propre analyse par eux. Ils n'ont pas qu'à penser. Peut-être pas yo. C'est malheureux quand même. Ouais, passé toute vie. Après jeudi, occupé une place dans la société. On dit on dit merci maman. On vit ton viré dans ma boîte. Parce que on se même. Zamian, tout le monde cal devant et juge américain dans grand tribunal. Yo te ka di une parole qui pour sauver yo. Moun cal devant juge Port-au-Prince. Yo te ka di une bagaille qui pour sauver tête yo. Toute investigation qu'a faite, yo pas jambe l'emmener au Matéli. Bon Dieu. Les bon monde fou jusqu'à présent. Yo doué Matéli, tu es Lionel. Et pourtant pas capable you. Toujours très fier de vous. Nous fous, nous fous. C'est maman. Maman, 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 maman. Parce que c'est maman. Parce que c'est maman. Il est 9h40 minutes, 41 minutes. Alors, ça nous toujours, nous avons mis cap coûter. Nous parfois émission. Nous avons pris les mêmes, nous avons mis cap coûter. Nous avons mis pas habitué l'émission. Ça. Les musiques, c'est yon. Fais-nous qu'on nous a coûté. Faut une raison qui fait nous venir faire émission. Ça. Tous les vendredis soir, 8h-10h. Bah, nous coup de fil 732-75-020. 732-75-025. Pas nouvelle attention. Dis-moi là. Tout simplement, on l'a attendu. Message. Même ta préféré mon femme, moi parce que top garçon relé. Mba Mendel. Yo chante l'injustice et yo chante l'amour. Yo même prêcher la
paix, comme il chantait la paix. Allez, mais ici, c'est Yon, comme elle dit, c'est Yon, Lord. Alors, tout le monde qui a écouté là, il y a un monde pas capable en coup de fil. Ah, non, pas bon même, non? 732-75-02-20, 732-75-02-21, 02-25. 21 ans, non, mais moi depuis 29 ans. Haïti Thomas, oh, ça c'est pays bon Dieu, Haïti chéri, allons pays qui belle, Haïti Thomas, ça c'est pays. L'obtendez moi, ou pas bon cob, nous m'en d'où pour radio à pas bail. Bon, mon gonzon m'y capri la kounia, on va me dire ça m'a dit à quel temps des amis ça. Bonsoir, oui. Bonsoir, oui, moi branché m'a coûté. Ou branché m'a coûté, merci beaucoup mon ami. Bon, radio, nous connaît 98% radio évangélique lié. C'est message, c'est prière, c'est musique évangélique, toute émission, émission évangélique. Il y a pas de petit trou vide pour nous faire cette émission là. Ou peut-être des petits comportements bien contents, ou apprendre parce que les rencontres devant foot chapeau, ou dit, ou apprendre des cas contents. Bon, pour qu'ils soient pas capables un petit coup de fil. Bon, qu'on y a l'homme ou montrer un bagon support. T'as l'homme et t'aimes dehors, les vies nous pas bien émission ça encore, non? Et ça, on va très simple lié. Même mon petit coup de fil, vous pensez que figou m'a pas acheté. Merci, Sammy Sak, sauter les là. Ce moment, c'est bigo cadeau. Pour qu'elle ne passe, c'est bigo douleur. Ou pas bail, quoi, vous bail un petit coup de fil, mon cher, plutôt pas. On va voir. Affection, maman, pas gay comme ça. Le bon maman, m'a dormi. La suite de Dodo Titi. C'est 32-75-02-20. Je ne sais pas si je passe toujours à faire la donne. Salutations à frère Guy Henry. C'est lui-même qui en charge radio ça. Bonne nouvelle dans l'air, bonsoir. Je suis un peu papa. Je suis un peu la game. La go, même bail ça a fait. Sans pas qu'à laguer sans amis. Je suis un peu de papa. Ouais, mon frère, merci. Nous connaissons une émission dans nuit liée. Je ne pas bon si on va écouter. Bon, hey. Émission la journée, c'est musique, l'évangélique, contre Tigan Mounio, Géoclé. Émission midi, émission prière, même Tigan Mounio qui a pris le tout. Eh, ça remonte. Et m'a dit merci, ma prière pour moi, pas de douleur. C'est pas normal lié. Si tu es le pasteur, tout le monde. Eh, pasteur, même Mounio, même 5-7 Mounio. Et pourtant, radio a gagné des centaines, presque 1000 Mounio qui a pris chaque jour. Nous pas voulu mouton tirer pour supposité. Je passe jamais tous les matins. Parce que dans route pour mal travail, je toujours en d'elle. C'est même mon yo toujours elle. On va ouvrir. Et tout mon tigre mon avec un douleur. Mais là, ça y est, c'est dans ma chèche. Tout le bagage capable de vivre. Mesdames, ça y est, mesdames, ça y est, que pas qu'on ça y est. C'est normal à vivre. Ah ouais, yo,
bénéficie du programme Biden dans l'émission là. Et yon bagay qui fait paraître là, fait sortir. Cristiano, Christian Louis, bonsoir. Jacqueline Maurice, bonsoir. C'est week-end lié. C'est week-end lié. Et puis tout comme il comme taxe a commencé à tomber. Si l'argent taxe a commencé à tomber. Mes amis qui sont sur Facebook semaine ça ou même qui remet pays ou même jusqu'à présent qui bénéficiait de programme parole là qui gagne tijouet non Biden non si ou remet ça ou même jusqu'à présent mes amis ont dit pour qui ça ou pas fait un asile mais c'est chercher mes amis ça pour nous capable poser le question ben Arfon Rose nous t'a posé Christian tout le monde qui fait immigration yo qui ça yon moun baden ta supposé fè yon asile nan tan sa kounya la programme nan déjà gen 1 an pour qui ça yon moun ki gen Biden ta supposé s'il pa jwenn yon lòt fason pour changer statut li ta supposé fè yon asile nan moment sa la Thank you.
Non seulement entendez, moi plus ou moins vivre, puisque j'ai quand même, il y a pas, parce que quand même, si j'ai un bas, parce que je devais entrer en bas, je devais plus protéger, je n'étais pas capable parce que je suis trop gros. Eh bien, l'autre des manipulations qu'a fait pendant toute semaine là, que Martine te dit le temps bas, quand même, songez, je suis fort qu'on est que madame première dame n'a pas jamais dit le temps bas. C'est peut-être raison ça nous repasser le pour à le sa kounia qui c'est exactement que le kounia c'est li exactement 9h55 minutes pour toujours songer manipulation média depuis me commencer émission ça me toujours a fait nous songer média yo gen boss yo média yo gen moun qui voulait faire yon message passer si nous voulait garder sous média en Haïti surtout qui pas gon kin régulation yo ka di sa ou vle sans pas gon répercussion songe nous toujours faut entendre différence qui gen entre vérités avec ça radio Caraïbes radio toute autre radio tout nèg sous média yo nèg nan Facebook par exemple Terrier Telus avec Movan radio Caraïbes et puis l'émission que radio ça faut entendre moun sa yo gen propre agenda yo c'est pour détourner vers annonce pour pas garder avancement pays ya. Yo même en attendant y a millionnaire fait l'argent yo mais y a bon menti pour ka jouer dans l'esprit ou pour pas comprendre que Jovenel te vini pour développer Haïti mais yo pas vle sa fête yo tué l c'est ça que fait après l'amour Jovenel bon bon discours Jovenel t'a fait moun comprendre si nous pas prend avantage de ça la faire nous pas jamais gagner chance encore n'a prend moun qui te contendre l parce que toute radio c'était ramassé au tap fortendé, c'était Teriel Telis, c'est toute l'autre émission qui voulait montrer que Jovenel pas fait rien. Juste en yo avait tué l. Kounya lè ou fin tué l, travail yo c'est fort qu'on est, c'est moun qui te choisi là, c'était Mateli qui tué l. Lè ou Mateli presque onti blanc, c'est blanc qui en mine, li connecté dans Patagon, li gen tout monde pour supporter l, yo changé narrative là, yo bo Martine Moïse. Mais Martine pas grand rien pour lui Alain Bol Maril c'est plutôt monsieur que Jovenel t'ai coupé contrat yo n'est pas dou li non pas dou ça ou pas jamais entendre ça dans bouche Morvan Jovenel t'ai coupé un contrat pour une seule compagnie 337 millions de dollars par mois par année dans pays d'Haïti il t'ai coupé t'ai gagné un contrat qui t'ai fait pour frontière Haïti à pour Israël t'ai vinn contrôler frontière bagay qui a coûté des milliards de dollars en 10 ans, Jovenel Coupil. C'est ça qui cause la mort Jovenel. C'est pas Martine Moïse. Yo madame yo nèg, s'il besoin tuyel, li pas besoin louer avion, li pas besoin moun k'ap sot Miami, li pas besoin soldat colombien, li pas besoin moun ki atterri, li pas besoin Emmanuel Sanon, li pas besoin soldat k'ap vin di se di eh. On madame yo moun ki besoin tuyel, li ka tuyel l'entité. On nous pas montrer nous saute que j'en nous saute là.
an nou moutre nou kompran gon jwet kap jwe pou nou perdi souverainete nou, pou yon vayi nou, pran peyi nou, mette nou deyo, koun ya prop ti bout te, paran nou te moui kite pou nou an, nou pap ka beneficiel. Réveye Haïtien, réveye pou nou kompran jwet la. We all can agree that raising a family in these times is challenging. With everything being so exposed and accessible through social media and the influence that come along with it, how do we find the balance? Does your child feel confined and has no outlet? Sasha, meet me in the bathroom so we can take our Instagram pics, because you know once I get home, they won't let me out. Would your child come to you when they need help? Mom, I'm in trouble and I don't know what to do. Do you know the signs when your child is crying out for help? Nicholson, you don't... À vendredi prochain pour l'autre émission, Collection 28. Je vous aime tant, c'était Big Papa, à la prochaine. Your video games for 2 months. Do you and your family need access to resources? I lost my job. How will we get our bills paid? Does your family have expectations and boundaries for mutual respect and understanding? I am the man of the house, but my family does not respect me. Finally, a show where families can feel supported and get resources for guidance during these troubled times. Presented to you by Good News Community Action. Family Matters, a radio show, aired every Saturday afternoon from 4 p.m. to 5 p.m. A new segment discussing all things and situations relating to families. Family Matters Discussions, a radio show for everyone to listen together. This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park.
Chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui.
Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Chapitre 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Et les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adullamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna,
Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm, sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée ?» Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche as-tu faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison.
Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Chapitre 40. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Chapitre 41. Au bout de deux ans,
Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. » Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore un songe, sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et sept épis, vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. » Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage,
et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, et on lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Chapitre 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent,
et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous ? » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. » Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement. Il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères. » Fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, ils ont peur. Jacob, leur père, leur dit,
There's one simple sugar hack anyone can do to balance glucose levels almost overnight. Did you know that type 2 diabetes is a completely reversible condition? Shabbas, bon Dieu béni. Citoyen yo, prend responsabilité. Chambon. Nèg yo a la machine dans commissariat. Inspecteur police la prend machine bandi yo. Qui donc? Machine moun, parce que généralement, yon pa gen machine. Ça dit, machine sa yo la police te récupéré dans mes bandits. Koun ya même la police, inspecteur police la, li bay brigade yo machine bandi yo. Pour qu'on y a marché faire patrouille dans Gantier. Ça son premier menace qui souvient le Gantier. Et même si nous parlons aujourd'hui, n'a pour elle demain quand même. Ça pas jamais existé sans qu'un côté sous la terre. On série de civils armés qui pas gain aucune formation comment pour porter des armes qui pas passé dans aucune académie policière qui a examen dans main yo. Qui est capé yo? Parce que t'as le là on va lui travail et faut que population paye yo. T'allè ou attendez, ou pral faire recette. T'allè ou pral manifester à qui est-ce que travaille. À la police. M'pa fin comprendre parti ça. Ça sont menaces liées sous Gantier. Si nous pas ou elle nous prend pour égard, nous pas comprendre. M'pa ta souhaité dans 2, 3, 4, 5 mois pour nous dire tété, tu avais raison. Ça poko anyen ou nèg sou pikop yo gen ami tan foul la et ouais yo gen géofar gade pou ou la oui ou après yo gen géofar yo kap lume tankou se policier yo ye koun yo vin touvo non situation ou pa konn ki lo en face bon policier faux policier koun ya mais de blouse la ou m choisi pa mete image figi monsieur. Monsieur, c'est ti frère Fredo Mgwelye. Ou m choisi pas montrer image, ou m gentil. M choisi pas montrer image monsieur. Garde avec. Garde avec. Ou en ex sur écran? Qui soit écrit dans maillot là? Maillot marqué police. Qui est monsieur yé? M'tendel son agent brigade. Dit pas policier non. Maillot marqué police et qui est qui bali selon information yo? C'est inspecteur Salomon qui bali. Est-ce que nous comprenons le pays d'Haïti? Ça dit, moun gantye moué peut-être qui naïf qui pas comprenne. Moué n'a manifesté, koun ya yo force pour nous dire, abat la police, vive brigade. Attention. Attention. Songez, on le te parle ça. Songez, on le te parle ça. Ouè gede ba, gede commenté ka fait là, m'pa opiné sou yo, parce que m'pa parle ça, m'pa vérifié. Mais moi din si ne pas freiner dossier ça va aller un gros menace sous Gantier et sous toute route nationale là. Un, picop nèg yo a boulé c'est picop yo prend dans main dans base 400 Marozo, la police récupéré que la police dépose en commissariat, inspecteur ba brigadier pour rouler à faire patrouille normalement. Ki mayo sous nèg yo, mayo la police. Alors que yo pas policier. Kade yon gen zam nan men yo, mayo la police nan men yo, gilet la police nan men yo, pikop yo pren nan men bandi, que la police pren oui, nan men yo a boule. Je ou far la dan correctement. Et puis moi, nan applaudi, nan di bravo, etc. Oh, a ba la police, vive brigade. Pas un problème. Songe. Ou est-ce que ma kel, serrel, fait TikTok avec elle. Parce que très bientôt, nan gen pour nous retourner sous lit. Pour nous dire, oh, tete, mon cher, ou te gen raison, respect, pour nous pas besoin de respect. Nous sommes citoyens, moi, gon mal, et pendier son zone, que moi, connais très bien, et moi, annoncer, moi, dénoncer. Et si dossier,
brigade la police la pas traité jodi a même nan gantier, c'est nous pral wè sa pi devant population civile là. Brigade la gen doit toujours faire bon travail. Ça qu'arrivé nèg la d'accord pour protéger zone ni, mais gen limite. Policier prend formation pour le faire ça l'affaire. Koun y a entendu des brigadiers pour faire brigandage dans tribunal. Parce que pas oublier haïtien gon folie chef. Des pour haïtien on bal zab ou bien on bal un petit bagay ou li gen pensé le trop chef, li pas respecté personne. Ça dit manifestation fait gantier a, c'est parce que la police t'a arrêté deux dans nèg sa yo et ça qui pi drôle là. Son pays difficile. Gen yon nan nèg yo arrêté yo, monsieur son déporté. Et puis gros nèg qui veut se défendre monsieur quelque part, monsieur dit que oui monsieur on déporté lié mais monsieur son nèg il pas déporté mauvaise affaire. Monsieur est déporté parce que le goût même dit monsieur te gen ou gen document dans mon. Comment faire comme pour ça le déporter? Quand date nèg a goumé comme si parce qu'on est goumé au déporté. Monsieur nous joue ba yo oui. Donc you nan nèg ou wè, on passe une photo ça sur réseau là. Qui a bot nan qui t'en cou bot solage là? Un James Solage qui t'en cou bot solage. Vous comprenez ça m'dou ba ça va être chargé. Donc et monsieur sont déportés des États-Unis. Mais monsieur petit gantier. Vous comprenez ça m'dou? Eh bien, monsieur dans brigade là. Mes amis, attendez bien. C'est pas parce que moi haï non non. Moi connais en pile dans nous qui tombé jour même. Mais songe m'té annoncé gon mal est pendier sur gantier. Et s'il pas freiner jodi a puis devant n'a pas raison. Parce que les frais doté là pas de gain toute dérive ça dans brigade là. Et c'est même pas caravane non. Première équipe nèg qui t'a géré caravane pas de gain dérive ça non. Pas de gain dérive ça non. C'est l'autre nèg l'autre génération de vini qui commence à dérive là. Le frère doté là pas de gain dérive ça dans brigade là. Monsieur Nick fin tombé, brigade là commencé en dérive. Pas un problème. Et à sac drôle li joine support yon inspecteur police qui c'est Salomon Jean-Philippe. Bon, on pas dit plus. Son GTT te signalé ça parce que gen conséquence sur ce qui a passé là. Son jem de dil. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Son jem Haïti son pays difficile. Me souhaiter que nous prenions responsabilité non. Sinon nous qu'à crier puis devant. OK. Merci à vous. OK. On nous quitte Gantier. On aller sur l'autre dossier. The ultimate combo from Optimum. Sign up and get 1 gig fiber internet for as low as $45 a month and save $300. Plus, get a $200 gift on us. Call, click, or visit a store today. Sorry, Sue, I can't get the Wi-Fi. No one can. We got rid of cable internet. Rising prices, equipment charges. Okay, dramatic. A better plan is Fios Home Internet, just $25 a month, and the price is the price, guaranteed. A guarantee in this crazy world? Yep. Awesome. Oh, geez. Switch to Fios Home Internet. Plans start at $25 per month, and the price is the price, guaranteed, with no surprise price hacks, equipment charges, or drama, only on Verizon. Panique dans kafou. J'aime te dire tout à l'heure. Policier ça, il est tombé en babal. Et c'est exactement ça m'a dit là pour Gantier. Parce que l'intention caravane non, c'était justement protéger zone non. Jusqu'à ce que même monsieur qui c'est policier qui dans caravane non
yo accepté livraison nan bay bandi. Chris l'a acheté Carrefour l'argent comptant et mes résultats jodi a. Policier Gerto Toto des blousards qui pété Carrefour ailleurs soir. Mais yo débarqué la caille monsieur yo prend li yo vide bal solé. Et j'en te dit au départ gen on liste policier ti Peter t'a cherché et monsieur était dans liste là. Il m'était parlé sur ça déjà ici. On t'a parlé de Tibim qui tombait déjà. On t'a parlé de Marcelin Ti Richard Toto, c'est monsieur qui Totoa et c'est monsieur qui tombé hier soir. On t'a parlé de Bernard, de Jean Danas, Ferry Popo, David Speedy qui l'a gépiel. Carl Henry Gary Lacossade Kendi pour me citer ça seulement. Tout nèg ça était dans viseur Ti Peter. Parce que Peter c'est un traite des pour pas avec monsieur automatiquement vient en face lui. De pour pas monsieur automatiquement en face li et n'importe Jean monsieur a privé zo et Ti Peter son allié sûr chef gang Tibois qui rele Chris là que nèg Haïti dans micro yo rele monsieur entrepreneur homme d'affaires agent social agent de développement yo dit monsieur pas bandit on est qui go équipe nèg exam nan dol cap théorisons population cap tuer policier cap kidnapper policier et puis on dit pas bandi pas un problème son pays comme ça son pays difficile et ben écoutez nèg yo débarqué au prend monsieur non seulement au tirer monsieur yo aller à cadavre là selon information qui partagé ta sans yo al boule monsieur sous Fontamara et yo baille maman monsieur balle. Monsieur Tereté dans l'année 85. Mais pas oublier de dire que une bagaille qui te pesé sous dos monsieur c'est parce que monsieur te gagne accusation sous dos avec Marcelin comme nèg qui te tué Josué et Tyson dans 38 ans. Nous songeons de parler ce dossier ça. Josué et Tyson c'est deux bons soldats Ti Peter. Monsieur pas jamais digéré assassinat nèg sa yo. Et monsieur te dit quel que soit nèg qui impliqué dans assassinat Josué et Tyson eh ben c'est connait pour le pas gain contrôle yo pour le pas mettre fin à yo. Bon. Est-ce que c'est Peter qui prend monsieur? Nous pas connait. Sauf que hier soir yo prend monsieur. Et sous ouais yo prend monsieur pour ta fait direction Fontamaravel. Li pa l'autre c'est nèg Chris là qui prend monsieur. Ça veut dire Chris là égal Ti Peter. Et ça qui paraît drôle dans dossier c'est parce que c'est silence complice Omega dans dossier commissariat de Carrefour. Ma route 85. Tendez oui, ça qui paraît drôle dans dossier c'est complice ou bien silence complice Omega commissariat Carrefour. Écoutez la société, c'est Maoutier 85. Écoutez, ça veut dire que l'on arrive dans situation ça qui ça ne dit tête non policier pas épargné parce que en pile là-dedans yo pas yo pas arrêté dans limite yo comme professionnel qui travaille pour le pays. Tellement yo traité en parent pauvre tout. En pile là des obligé à filer avec bandi. Et qu'on yo vinn trouver dans spirale ou par contre qui l'est en façon bon policier parce que ou tellement vinn coincé dans pays là. Gen doit gon nèg ka fon bagay et puis ou parle l'on policier pour expliquer. Parce qu'on par contre qui côté le connecté, qui côté le branché, qui côté le souché. Ça qui arrive, ou a poté nèg la plainte,
et puis ces paroles qui passent dans l'oreille gauche là pour le sortir dans la droite là, il est arrivé à joindre un bandit qui va dénoncer. Ou vient trouver une spirale qui compliquait. Cependant, que monsieur Théa Negyo vient quitter, mais monsieur Té font titan, il vient en face Negyo. Et c'est ça qui fait au manger. Parce que des points en face, il y a éliminé. Il a le premier monsieur dans Maoti à 85 ans. Il a fini à monsieur. Monsieur Té là, il parle encore. Et quand pile l'autre policier, il dit bon, ouais, mais Mick, Mick! Monsieur El Barassi, il comprend encore. Monsieur Larry Piel.